Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu, un jeu fraîchement édité aux éditions Arcana Sacra, d'ailleurs que je remercie du fond du cœur pour me l'avoir envoyé. Et c'est un jeu que j'ai grand plaisir à vous faire découvrir puisque vous allez le voir, je pense que pour vous mesdames, mais aussi pour vous messieurs, ce jeu pourrait vous plaire puisqu'il s'agit d'un petit outil de développement personnel qui est franchement très intéressant. Comme vous pouvez le voir, le jeu en plus est raccord avec mon tapis, hein, dans les teintes de violet, de rose, donc forcément j'adore. Il s'agit de l'oracle du pouvoir personnel de Deja Drewit. Alors vraiment je suis désolé si j'ai mal prononcé le nom de famille, mais alors moi j'ai vraiment un problème pour prononcer les noms de famille. Et je suis pas pardonnable parce que moi-même j'ai un nom de famille quand même un petit peu compliqué, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je prends le nom de mon papa, parce que si je prends celui de ma maman, c'est trop compliqué à prononcer. Donc il s'agit d'un petit oracle en format vraiment pocket, et ça c'est super intéressant parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le premier jeu de Arcana Sacra qui est en pocket. Alors attention, quand je dis pocket, il n'est pas non plus minuscule, hein. Attendez, regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer par exemple, alors je suis désolé, j'ai rien sous la main, je vais prendre ce que j'ai. Si je prends par exemple mon carré fantabuleux, vous voyez, pour ceux qui connaissent le carré fantabuleux, et par rapport à mon oracle œil dans le noir, vous voyez, on serait sur, on est plus petit qu'un format tarot, mais on est plus grand qu'un style Lenormand. On serait entre une taille intermédiaire entre un Lenormand et un tarot. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va passer sur la qualité de Arcana Sacra. Je pense qu'elle n'est plus à en vanter les mérites. Vous connaissez tous, vous avez tous un oracle ou un tarot issu de chez eux. Si, si, c'est sûr, parce que quand je vois le nombre de tall challenge que vous m'avez réalisé, vous m'avez fourni la preuve que vous aviez tous un oracle et un tarot de chez eux. Donc, on va retrouver la même qualité comme d'habitude. Une boîte cloche, comme je vous l'ai dit, qui est dans les teintes de violet. En plus, c'est typique le violet que j'adore. Je sais pas du tout si ça va bien rendre à la caméra niveau couleur, mais j'adore véritablement les couleurs. Comme je vous l'ai dit, c'est un oracle qui va être fondamentalement axé sur le pouvoir des femmes et sur le féminin sacré, puisque la plupart des lames vont prendre des visages féminins. Mais j'ai envie de vous dire pour vous, mes amis hommes, ne vous sentez pas exclus par ce jeu, puisque dans chacun d'entre nous, qu'on soit homme, qu'on soit femme, peu importe le genre, nous avons tous une part de féminin sacré et une part de masculin sacré. Et c'est toujours intéressant de pouvoir travailler notre part justement de féminin sacré ou de masculin sacré. Par exemple, un homme, eh bien, lorsqu'il va accepter sa part de femme, sa part de féminité, eh bien, il va pouvoir développer certaines capacités, certaines choses développées. Alors attention, peut-être que je vais tomber dans les clichés et je vous prierai de m'excuser, mais c'est vrai que les hommes, on est plus dans une force brute, dans une force un petit peu comme ça, brute de décoffrage. On est plus dans l'action que la réflexion, alors qu'une dame, c'est plutôt l'inverse. Elle va davantage être dans l'analyse, dans l'intuition, dans les émotions, dans la réflexion, et ensuite elle va passer à l'action. Alors ce sont peut-être des clichés parce que je connais des hommes, bah moi le premier, où on n'est pas forcément dans l'action immédiate, mais d'abord dans la phase de réflexion. Mais est-ce que c'est une relation de cause à effet? C'est-à-dire que, est-ce que si je suis comme ça, c'est peut-être parce que j'ai accepté ma part de féminin sacré et que je travaille aussi, vous voyez? Peut-être, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on va dire,
Hormonalement parlant, l'homme et la femme sont définis par des hormones qui nous rendent naturellement comme ceci ou comme cela. Donc sur l'aspect spirituel, c'est toujours intéressant de venir compléter notre nature première avec eh bien, la nature analogue, opposée, pour eh bien, compléter et être entier. Donc cet oracle du pouvoir personnel, c'est un oracle, c'est un outil de développement personnel. Vous allez le voir dans les différentes lames, il va y avoir des messages. Et avant de vous présenter chaque carte, je vais vous montrer des cartes pour vous expliquer comment moi je le perçois et comment je vais l'utiliser. Alors regardez, je vous montre l'intérieur, on a une jolie boîte cloche. Avec l'intérieur, on a un bel espace dans les teintes de violet et de rose. J'adore. Juste pour les couleurs, j'adore le jeu. Et avec une phrase à l'intérieur, prenez conscience de votre puissance. Nous avons un petit guidebook, comme d'habitude, qui est en couleur, sur du papier glacé, qui est super bien fait. Là aussi, j'ai envie de dire, il n'y a plus besoin de vanter les mérites de ce que nous propose Arcana à chaque fois en termes de guidebook, hein, puisqu'on n'est même pas sur des guidebooks, on est sur des vrais livres d'explications sur les oracles et sur les tarots. Et là, malgré son petit format pocket, en plus, j'aime bien sa taille, il est marrant, ça fait un petit livre. Il est vraiment très bien fait, il est bien complet, honnêtement, il va venir nous expliquer chaque carte, etc. Mais moi je vais pas regarder le guidebook, je vais vous donner mon intuition et mon ressenti sur les cartes directement. Comme ça je ne me laisserai pas influencer par ce qui est écrit sur le guidebook. Alors regardez l'intérieur, comme d'habitude on a le petit ruban traditionnel hein, qui est propre à Arcana Sacra pour enlever les cartes, et ça on adore ce genre de petits détails. Regardez à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir, on a une illustration d'une femme, je sais pas si vous le voyez. J'ai l'impression qu'on ne le voit pas en retour d'écran. On verra quand la vidéo sera postée. Donc ça, c'est pour le petit boîtier. Comme je l'ai dit, hein, boîtier, boîte cloche, cartonnage épais, comme d'habitude. Très bonne manufacture, très bonne qualité de papier, de carton, etc. etc. Hein. Pour les cartes, ce qui est sympa, c'est qu'on est sur un format pocket. Donc si vous voulez l'emporter avec vous dans votre sac, il est parfait. Et Dieu sait qu'on connaît les femmes pour leur sac. Enfin, je suis mal placé pour parler parce que vous verriez moi, j'ai un petit sac, mais qui est rikiki. Et si vous verriez tout ce qu'il y a dedans, mais même Mary Poppins n'a pas tout ça dans le sien. C'est à se demander comment je peux faire rentrer autant de choses dans un tout petit sac. Donc voilà, si du coup vous voulez emporter avec vous ce petit oracle et que vous voulez travailler, voilà, vous allez vous balader et puis hop, vous sortez votre petit oracle et puis vous sortez une carte et puis vous travaillez un petit peu le message de la carte. Et donc je vais vous expliquer comment moi je vais l'utiliser. Regardez, par exemple, on va prendre la carte, je vous montre le dos est superbe. Regardez, on a une boussole qui est très intéressante parce que la boussole, elle nous fournit déjà des indications intéressantes en termes de symbolisme. C'est-à-dire que la boussole, c'est à la fois quand on est perdu, quand on ne sait pas où on va, et en même temps, la boussole, c'est l'outil qui nous permet de savoir où on va. Vous voyez, donc il y a une relation comme ça de cause à effet, on est perdu, mais en même temps, on sait où on va. Et du coup, je trouve que la boussole est bien choisi pour un oracle comme celui-ci, parce que lorsqu'on parle d'outils de développement personnel, c'est qu'à un moment donné, on est plus ou moins perdu dans sa vie, dans sa tête, dans son corps, on ne sait plus trop, on n'arrive plus à analyser, on n'arrive plus à comprendre les choses. Et par conséquent, on a besoin d'une aide, on a besoin d'un guide. Et ce jeu de cartes, cet oracle, eh bien, va être ce guide pour vous aider. Et ce que j'aime dans les messages, en fait, c'est que... pour moi, il y a un exercice à faire. Je vais prendre par exemple la première carte. Regardez, on nous dit le message « Je suis optimiste ». Ok, bon, le message, il est tel quel. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter cette carte? Eh bien, moi, je vais vous inviter à faire un exercice. Lorsque vous tirez votre carte, vous allez lire le message et vous allez vous dire « Ok, là, par exemple, je suis optimiste. Je suis optimiste sur quoi? Sur quel domaine? Qu'est-ce qui pourrait me rendre optimiste ?» Vous voyez, et comme ça, vous allez un petit peu travailler, parce que être optimiste, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Être optimiste dans sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit toujours le verre à moitié plein, qu'on voit toujours le soleil après la tempête, etc., etc. Oui, mais ce genre d'optimisme, comment je peux vous dire, c'est un petit peu trop général pour en tirer des leçons qui soient objectives. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je dis, que...
Mais être optimiste, pour moi, c'est être optimiste sur des domaines précis. C'est-à-dire, oui, effectivement, si je vois qu'il y a un orage qui dure pendant une semaine, eh ben, je vais garder l'espoir que le soleil va revenir. Mais je ne vais pas me focaliser sur ce que je vois et je ne vais pas non plus être optimiste sur tout. Il faut être optimiste tout en étant objectif. Imaginons, je ne sais pas, que je sois à l'heure actuelle au chômage, que je touche le RSA, que financièrement, ce soit catastrophique. Eh bien, je vais me dire, ok, pour le moment, c'est comme ça, mais tu vas mettre des choses en place qui vont te permettre de faire évoluer et changer ta situation. Tu vas te mettre activement à rechercher un travail, etc., etc. Quand tu passeras ton entretien, tu vas donner le meilleur de toi-même, etc., etc. Voyez, pour moi, c'est ça l'optimisme. C'est pas juste me dire aujourd'hui je suis au RSA, demain je vais trouver du travail. Non, pour moi, c'est pas ça l'optimisme. L'optimisme, c'est aujourd'hui je suis au RSA, demain je vais mettre en action des choses pour faire évoluer ma situation. Lorsque celle-ci va évoluer, eh bien le jour J, je vais donner le meilleur de moi-même. Et je vais croire que parce que j'aurai donné le meilleur de moi-même, je serai récompensé et je trouverai ce travail après. Voyez, il y a toute une sorte de dynamique à réaliser. Et dans ces messages de cartes, eh bien, c'est ce que je vous invite à faire, à extraire en fait l'information. On peut faire par exemple d'autres, on va en faire d'autres. Hein. Regardez ici, je mérite le respect. Sur quoi peut-on mériter le respect? Alors, dans la vie de tous les jours, je suis d'accord avec vous. Le respect, c'est censé être quelque chose qui est acquis, qu'on se doit tous les uns et les autres. Bon, malheureusement, ça semble pas être acquis pour encore toute la planète. Mais bon, on y travaille. Peut-être qu'on y viendra un jour ou pas, je ne sais pas. Soyons optimistes, justement. Donc, je mérite le respect. Le respect par rapport à quoi? Est-ce que c'est le respect par rapport au travail? Est-ce que vous vous sentez non respecté dans votre domaine professionnel? Est-ce que vous vous sentez non respecté dans le domaine social? Voyez, il y a plusieurs questions en fait à se poser parce que manquer de respect, mais manquer de respect sur quoi? Par rapport à quoi? Sur quel domaine? Sur quelle situation? De quoi on parle exactement? Donc, à travers cette carte, on va extraire une information et on va faire une introspection sur nous pour se dire ok, sur quel domaine je mérite le respect. Mon mari me respecte, mes enfants me respectent, mes amis me respectent, par contre au boulot ça coince un peu. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Qu'est-ce qui fait qu'on me manque de respect? Voyez, et vous allez analyser la situation, vous allez analyser le sujet qui va vous permettre ensuite d'extraire potentiellement eh bien, la cause de ce manque de respect et essayer de mettre une fois encore des actions qui vont aider eh bien, à pouvoir modifier ça pour que vous puissiez avoir le respect qui vous revient. Regardez par exemple ici, je suis digne. Digne là aussi. Ce que j'aime en fait dans cet oracle, c'est que les messages sont très généraux et on pourrait croire ce jeu très simpliste dans sa conception, mais non en fait, il y a vraiment une philosophie, il y a vraiment un travail à faire sur chaque message de carte. Vous voyez, je suis digne. Sur quoi on vous demande d'être digne à ce moment-là si vous tirez cette carte? Est-ce que vous avez vécu une situation qui vous a humilié? Est-ce que vous avez été rabaissé? Est-ce que vous avez été blessé dans votre amour propre, dans votre façon d'être, etc., etc. Donc du coup, on vous invite encore une fois à réfléchir sur pourquoi vous devez être digne, pourquoi devriez-vous vous montrer digne, sur quel domaine, de quoi on parle exactement. Vous voyez, donc lorsque vous allez tirer votre carte, si par exemple vous voulez tirer juste une carte du jour, eh bien, je vous invite à pas juste lire le message et vous dire « Ok, aujourd'hui, je mérite le respect. » Non, c'est pas que aujourd'hui que vous méritez le respect. C'est tout le temps que vous méritez le respect. Mais pour mériter le respect, essayez de trouver quel est le problème, quelle est la cause qui fait qu'on vous manque de respect. Et du coup, vous allez travailler, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Pareil pour le « Je suis digne ». Pareil si on prend la suivante avec « Je peux rectifier mes pensées ». Vous voyez, il y a plein de messages comme ça qui vont vous inviter, vous inciter à réfléchir à la cause primaire, à réfléchir aux actions que vous pouvez mettre en place pour rectifier certaines choses, pour régler le problème. Donc pour moi, ce jeu, quand on parle d'outils de développement personnel, oui, c'est un outil. Et comme tous les outils, un outil, ça s'utilise de façon régulière, de façon quotidienne. Donc lorsque vous ferez votre tirage, si vous tirez une carte ou vous faites plusieurs tirages, essayez d'identifier, par exemple, si vous faites une croix. On va prendre, je vais vous donner un exemple très concret.
Imaginons qu'on parte sur un tirage en croix. Tac, vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et vous allez vous dire, ça c'est mon couple, ça c'est mon travail, ça c'est ma vie avec mes amis, ça c'est ma vie spirituelle et ça c'est, on va dire, un aspect un peu général de tous les jours. Et là, vous allez vous dire, tiens, sur mon couple, on me dit que je mérite le respect. Ça veut dire que dans mon couple, il y a quelque chose qui cloche, soit mon mari ne me respecte pas, soit mes enfants ne me respectent pas, soit je suis pas à la place que je devrais avoir. Soit je suis soumis ou il y a un déséquilibre quelque part dans mon couple. Donc là, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Voilà, vous avez compris le principe. Moi, je vous invite à faire comme ça par domaine. Et ainsi, vous allez pouvoir extraire le problème, la cause originelle et éventuellement mettre des plans d'action pour essayer bien de régler ça. Voilà donc pour cette petite explication du jeu. Et maintenant, eh bien, je vais vous inviter à découvrir le jeu et on se retrouve après pour faire un petit tirage. Et voilà les amis, donc pour cette présentation de ce jeu, j'espère que vous l'avez trouvé très très beau parce que personnellement, je le trouve vraiment très joli. Et puis tout cet aspect, je trouve qu'en plus la femme, c'est une symbolique qui est forte. Alors, je veux pas faire... je veux pas générer quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord avec ce que je vais vous dire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour de la femme et qui continuent encore aujourd'hui, malgré... Bon, il y a quand même des efforts qui ont été fournis, on est d'accord, hein, mais il y a encore du travail à faire pour que les femmes soient véritablement respectées et intégrées à part entière dans la société, sans iniquité, sans rien du tout. Et en tant qu'homme, eh bien, je suis le premier à soutenir les femmes dans leur combat, hein, parce que
il suffit de voir dans les films, les séries, dans plein de choses, à la télé, etc., dans le travail au quotidien, ou même, j'ai envie de dire, dans la rue, hein, tous les jours. Vous prenez par exemple une petite midinette qui met une jupe parce qu'il fait chaud, tout de suite elle va se faire siffler, elle va, non, c'est pas normal d'avoir ce type de comportement, il y a des choses qui ne devraient pas se faire. Est-ce qu'on siffle un mec quand il porte un mini-short, hein? Non, on le siffle pas dans la rue, vous voyez? Donc pourquoi il y a certaines choses qu'on tolère et pas d'autres? Mais bon, on n'est pas là pour polémiquer. Je pense que vous aurez compris le message et je trouve que c'est intéressant du coup d'avoir un jeu comme ça qui traite vraiment de problèmes de femmes. Donc déjà vous en tant que femme, vous allez pouvoir vous retrouver sur certaines cartes. Hein. J'en prends par exemple une. Il y en a une qui m'a beaucoup interpellée. Je vais vous la montrer. C'est une femme qui a des rondeurs et dessus il est écrit je suis belle. Voilà. Regardez celle-ci, je la trouve, c'est le cas de le dire, particulièrement belle, parce que effectivement, notre société actuelle nous montre que pour être belle, eh ben, il faut que vous pesiez 40 kilos, il faut que vous ayez des seins comme des obus, il faut que vous soyez blonde, brune, comme ceci, comme cela, machin et tout. Eh ben non, une femme est belle telle qu'elle est, point, il n'y a pas à être comme ceci, il n'y a pas à être comme cela, il n'y a pas à rentrer dans des codes, dans des moules, dans des... C'est pareil pour les hommes aussi, c'est pas parce que vous avez une calvitie, parce que vous avez un petit peu de ventre, que vous êtes pas... vous êtes moche, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, ne laissez jamais personne et surtout pas la société vous dire le contraire en fait. Personne n'a à vous dire toi tu es laid, toi tu es belle. On se base sur quels critères? Il y a un critère de beauté. Si on prend par exemple, alors Angelina Jolie, ce serait le critère de beauté numéro 1 pour les femmes. Il faut que toutes les femmes ressemblent à Angelina Jolie si vous voulez être belle. Et puis pour les hommes, il faut que vous ressembliez tous à Brad Pitt pour être beau. Sinon, si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ça veut automatiquement dire que vous êtes moche. Eh ben non, ça moi je suis contre ce genre de choses, on est tous beaux, on a tous notre charme, on a tous nos atouts, on a tous quelque chose. Alors je suis désolé de vous dire ça, ça fait un peu cliché, ça fait un peu discours à la Christina Cordula ou William, comment il s'appelait dans l'émission, vous savez, Belle toute nue là. J'avoue, ça fait un peu cliché de dire ça, mais non, c'est vrai, en plus je le pense sincèrement, on a tous une beauté, on a tous quelque chose. Je prends moi, hein, je me considère pas comme un canon. Quand je vois la plupart des mecs, je m'identifie pas à eux, je leur ressemble pas, et je suis le premier parfois à complexer, à me dire oui, eux, tu vois, ils ont des cheveux et ceci. Mais c'est bête, hein, parfois c'est des détails qui sont très idiots. Mais voilà, je me dis, lui, il a de la chance, il est comme ceci. Et le pire, c'est que je dis, lui, il a de la chance. Comme si moi, j'avais moins de chance que lui parce que j'ai pas de cheveux, parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas ça. C'est complètement idiot de toujours se comparer à d'autres, en fait. On est comme on est et il faut apprendre à s'aimer tel que nous sommes et trouver la beauté dans qui nous sommes, dans ce que nous dégageons et pas dans ce que nous représentons. Et personne n'a à nous dire toi tu es beau, toi tu es pas beau. Voilà. Bon, maintenant je vais vous inviter à penser très fort à un sujet, à un domaine de votre vie, peu importe lequel. Vous pensez travail, amis, famille, amour, peu importe, vous pensez très fort à un domaine et on va se prendre un message qu'on va interpréter. Bon, comme d'habitude, vous pouvez le voir, la qualité des cartes est exceptionnelle. On est sur un cartonnage épais. Les cartes glissent super bien. En plus, elles ont ce petit format pocket qui est parfait si vous avez des petites mains. Allez, vous êtes prêts? On y va. Et nous avons « Je me libère du superflu ». Un message qui est très intéressant puisque là on vous invite à vous libérer du superflu. Qu'est-ce qui est superflu dans notre vie? Eh bien, j'ai envie de vous dire les amis, presque tout en fait. Si on prend la nature humaine, de quoi l'homme a véritablement besoin? Alors quand je dis l'homme, là aussi, pourquoi on dit homme? Après tout, quand on dit l'homme dans sa généralité, ça inclut la femme, donc on va dire l'être humain. De quoi l'être humain a besoin, a réellement besoin? Il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de s'abriter des intempéries, il a besoin de se réchauffer et il a besoin de se reproduire. C'est tout, il a besoin de 5 choses. Donc ce qui veut dire que tout ce que nous possédons, que ce soit dans nos intérieurs, nos maisons, nos dressings, etc., est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que dans notre vie aussi de tous les jours,
il y a des choses dont on a vraiment besoin? Ça, c'est une question que vous devez vous poser régulièrement et que j'essaye aussi de me poser régulièrement parce que bah, malheureusement, moi aussi, je fais partie de ces victimes de la société de consommation qui nous invite, qui nous incite à eh bien acheter ceci, acheter cela. Hein. Regardez les pubs, par exemple. On vous fait comprendre que si vous voulez être heureuse, il vous faut à tout prix le nouvel aspirateur, le nouvel iPhone, le nouveau machin, la nouvelle cafetière. Enfin, vous voyez, non, vous n'avez pas besoin de ça pour être heureux, très concrètement. On vous fait comprendre que les cheveux blancs, c'est mal. Enfin, vous voyez, on est toujours formaté pour vous faire comprendre, pour vous faire croire que pour être heureux, vous avez besoin d'avoir les cheveux colorés, d'utiliser un anti-rides, de faire ceci, de faire des régimes, d'acheter le dernier iPhone, d'acheter la dernière berline, de vous mettre à faire du sport, de faire ceci, de faire cela, de... Mais merde, à la fin, personne n'a à vous dicter ce que vous avez envie de faire et surtout ce dont vous avez besoin. Et ce qui peut produire eh bien cet aspect anxiogène dans nos vies, c'est qu'on est toujours en train de consommer pour croire en fait que ça nous apporte du bonheur, mais en fait on finit par être complètement malheureux parce qu'on est toujours en fait en train d'acheter de nouveau parce que eh ben c'est le nouveau truc qui va nous rendre heureux, donc il nous le faut parce que je suis malheureux, voyez, et on rentre dans un engrenage qui fait que à la fin on se retrouve surendetté. Vous imaginez les milliers d'euros qu'on peut gaspiller chacun et chacune par an, mais c'est affolant. Rien que moi dans ma maison ou même là dans mon cabinet très concrètement, mais je pourrais me débarrasser de 99,9% de tout, je n'ai pas besoin de toutes ces breloques, qu'on soit d'accord. Concrètement, un oracle me suffirait avec un petit pendule, 2-3 pierres pour travailler, mon petit livre des ombres et basta, ça suffit. Pourquoi accumuler toutes ces choses? Mais c'est valable pour moi, c'est valable pour d'autres. Il y en a, ils sont passionnés par les chaussures, ils vont avoir 300 paires de chaussures. Est-ce que vous avez besoin de 300 paires de chaussures? Il vous faut juste une paire de chaussures en été, une paire de chaussures en hiver et c'est tout. C'est tout ce dont vous avez besoin, et une pour faire du sport éventuellement. Mais c'est tout ce dont nous avons besoin. Pareil dans notre dressing, est-ce qu'on a besoin d'avoir 300 jupes noires? Non. Un pull en hiver pour se tenir chaud, un petit débardeur en été pour avoir moins chaud, un pantalon, c'est tout. Une paire de chaussettes, un slip. Concrètement, on n'aurait même pas besoin d'autre chose puisque notre paire de chaussettes, le slip, on le lave tous les jours, on le refait sécher, donc il n'y aurait même pas besoin d'avoir 300 paires aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on a en superflu et dont on n'a vraiment pas besoin. Et l'être humain ne se rend pas compte qu'en consommant, en surconsommant comme ça, ben, c'est la terre aussi qui est en train de s'épuiser. Parce que si on ralentissait notre société de consommation et qu'on consommait uniquement ce dont on avait besoin, eh ben, on pourrait ainsi préserver les ressources de la planète et on pourrait perdurer sur le temps. Que là, concrètement, à l'heure actuelle, en plus la population qui finit d'augmenter, à l'heure actuelle, si on continue à surconsommer comme on le fait, dans 10-20 ans, ça sera fini les légumes, sera fini la viande, les œufs, non, on aura des petites gélules qu'il faudra avaler, hein, voilà, ça sera, j'espère pas, hein, parce que moi je me suicide tout de suite en étant gourmand, le jour où c'est des cachets qu'il faut bouffer, moi non, je ne pourrais pas le supporter de ne plus avoir de nourriture, je serais trop malheureux, ne serait-ce que des fruits, je serais trop malheureux. Donc voilà, et dans la vie, c'est pareil, il faut aussi savoir se débarrasser du superflu. Donc le domaine auquel vous étiez en train de penser, eh bien je vous invite à faire du tri et à vous débarrasser du superflu. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses dans votre couple, dans votre travail, dans vos amis, des choses qui sont superflues, dont vous pourriez vraiment vous passer. Est-ce que vous avez besoin d'avoir 50 amis? Non, 2, 3, ça suffit pour sortir, passer un bon moment, pas besoin de plus. Voyez, soyez dans cette dynamique de vous dire, pour le domaine que vous avez choisi, qu'est-ce qui est superflu dans ce domaine-là? Et du coup, de quoi je pourrais me passer parce que je n'en ai réellement pas besoin? Et ça, c'est la question à vous poser. De quoi avez-vous besoin exactement? Et c'est là que vous allez pouvoir vous libérer du superflu. Parce que lorsque vous aurez réellement défini vos besoins, eh bien là, vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ce qui est en trop, tout ce qui est superflu, tout ce dont vous n'avez pas besoin, qui prend de la place dans votre vie, dans vos placards, dans votre cœur, dans votre tête, partout.
Voilà donc mes chers amis pour cette présentation de l'oracle du pouvoir personnel. Je pense que comme vous l'aurez compris, c'est un outil vraiment qui va vous permettre de vous aider si vous posez les bonnes questions. Vous voyez là, on a juste cette phrase « je me libère du superflu » mais en fait derrière cette phrase c'est « de quoi j'ai réellement besoin ?» et il y a tout un exercice derrière après à faire. Et je trouve que c'est vraiment un très bon outil et pour vous mes amis femmes, donc là, moi, je vous ai donné ma vision en tant qu'homme, mais il est possible qu'en tant que femme, peut-être que vous verrez des subtilités, d'autres messages cachés, d'autres sens que vous pourrez lui donner à cet outil. Et vraiment, je ne peux que vous recommander ce jeu. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse.